Merci, bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui du problème de la durabilité des matériaux. C'est-à-dire, on va parler de temps. Et le temps est une des choses les plus difficiles à gérer dans le problème des matériaux. Alors, l'idée, si on reprend le fil rouge du cours, donc on est maintenant dans la durabilité des matériaux, après avoir parlé des matériaux architecturés multifonctionnels, de l'atome aux composants, ce qui nous a donné les outils de modélisation, le choix des matériaux et des procédés nous avait montré comment est-ce qu'on pouvait comparer les matériaux entre eux vis-à-vis d'un cahier des charges donné. Aujourd'hui, on va parler de durabilité des matériaux. On reviendra à des aspects de modélisation à la fois prochaine sur la mise en œuvre et la modélisation intégrée. Ce que je voulais essayer de vous montrer aujourd'hui, évidemment pas question en une heure de balayer l'ensemble des questions de durée dans le temps du comportement des matériaux. On va simplement aborder quelques aspects. Alors, sachant que le cours va porter sur à la fois le problème du fluage et le problème de l'usure comme illustration des problèmes typiques de durabilité des matériaux. Et on va essayer de regarder un aspect qui est un aspect en plein développement actuellement, qui est l'aspect des matériaux auto-guérissants. Après quoi, vous aurez un séminaire qui sera fait par Éric Andrieux de Toulouse, de l'ENSIAC de Toulouse, qui nous parlera des problèmes d'un aspect de durabilité des matériaux, qui sont les problèmes de corrosion. Et j'ai choisi cet après-midi pour le groupe de travail d'avoir une après-midi centrée autour des problèmes de corrosion, de couplage corrosion mécanique, où il y aura un certain nombre d'exposés qui vont tourner autour de cette question-là. Donc on ne va pas balayer l'ensemble des problèmes de durabilité des matériaux, on va essayer simplement d'illustrer sur un cas choisi, qui est le cas de la corrosion, de l'interaction avec l'environnement, comment est-ce qu'on peut aborder les problèmes, quelles sont les questions qui se posent. Alors, si je regarde ce schéma-là, vous l'avez déjà vu une fois, qui était quand je vous parlais des problèmes de conception. Et je vous ai dit que, grosso modo, ce qui était bien développé, c'était des méthodes de conception comme si on était en train de concevoir pour le paradis, c'est-à-dire pour des choses qui duraient une éternité. Malheureusement, les choses ne durent pas une éternité, vous l'avez sûrement remarqué. Il y a un certain nombre de dégradations du comportement des matériaux qui vont se produire au fur et à mesure de l'usage du composant. Donc cette dégradation peut être une dégradation simplement liée au fait qu'on a une déformation différée. C'est particulièrement vrai quand vous êtes à des températures qui sont au-dessus du tiers de la température de fusion, grosso modo, ce qu'on appelle le fluage. Sous une contrainte, le matériau a tendance à se déformer alors qu'il s'était relativement peu déformé, autrement qu'une manière élastique, à l'instant T égale zéro. Ben, quand vous attendez, le matériau se déforme. Vous avez la fatigue qui est une manière particulièrement sournoise de dégrader un matériau parce que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe rien de manière alternée, c'est-à-dire plus rien ou moins rien, et le résultat c'est que ça finit par casser. Vous avez un exemple classique de ce phénomène-là, ce qui est l'agrafe de stylo que vous enlevez, que vous remettez, que vous enlevez, que vous remettez. Au bout d'un moment, vous avez autre agrafe de stylo qui s'est décrochée et c'est typiquement un phénomène de fatigue. Vous avez un autre aspect qui est important, qui est l'aspect de la corrosion dont on va parler, et l'aspect de l'usure, qui est essentiellement le comportement des matériaux dans le temps, dans des situations de contact. Alors, du point de vue de la conception, il y a deux manières d'aborder le problème. Il y a une manière d'aborder le problème qui est de dire « je me mets dans une situation où ça ne risque pas de se produire ». Donc ça va être typiquement de dire « je me mets à une température de fonctionnement du matériau qui est très largement en dessous de la moitié de sa température de fusion » où je me mets très largement en dessous de la limite de fatigue. Donc, je peux essayer de concevoir cette manière-là. Évidemment, ça conduit à surdimensionner les composants. Donc, ça, ce n'est pas forcément une bonne solution. Il y a une deuxième solution qui consiste à dire, je sais que ça va s'endommager, je tiens simplement à ce que ça ne s'endommage pas plus vite que la durée de vie escomptée du composant. Donc, ça veut dire que je vais calculer une durée de vie en fatigue et je vais m'assurer que cette durée de vie en fatigue est supérieure au nombre de cycles de moteur de voiture qui doit tourner pendant 300 000 km, par exemple. Et une autre solution, qui est une solution aussi très qu'on trouve de manière récurrente dans les problèmes de conception, c'est de dire je vais avoir des problèmes d'endommagement dans le temps et j'essaie de trouver une solution système pour éviter ces problèmes d'endommagement dans le temps. Donc je vais faire des traitements thermiques, je vais faire des traitements de surface, je vais faire des traitements de protection. C'est typiquement ce qu'on fait quand on durcit une surface pour la faire résister à l'usure, quand on grenaille une surface d'une pièce pour la faire résister à la fatigue. Alors voilà un peu le panorama. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelques aspects clés des problèmes de durabilité des matériaux. Et un des aspects clés qui arrive de manière récurrente, c'est le fait que généralement, vous voulez faire des essais accélérés qui vous permettent de dire... est-ce que je peux raisonnablement escompter la durée de vie du composant ? Une histoire célèbre d'un
je crois que c'est IDF, où on avait demandé à un savant calculateur économiste quel était le meilleur moment pour changer un poteau. Il avait répondu que c'était juste avant qu'il tombe. Ce qui est parfaitement vrai, mais ça suppose de faire une durée d'essai qui est à peu près la durée de vie du poteau. Donc, ce n'est pas tout à fait génial. Donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire des essais accélérés. Alors, des essais accélérés, ça consiste généralement à augmenter les conditions de sollicitation, augmenter la température, augmenter la contrainte, augmenter les taux d'irradiation quand on parle des matériaux sous le nucléaire. Mais la question fondamentale qui se passe, c'est de savoir est-ce qu'en changeant les conditions de sollicitation, je me contente d'accélérer le phénomène ou est-ce que je suis en train de changer la physique du phénomène. Donc ça, c'est une question qu'on trouve aussi bien dans le problème de la durée de vie des centrales que dans le problème du stockage des déchets, que dans le problème de la durée de vie des moteurs, que dans le problème des aubes de turbine. Donc, comment accélérer les essais? Un deuxième aspect qui est critique, c'est de regarder les solutions systémiques, c'est-à-dire les solutions qui impliquent à la fois des matériaux, l'environnement, les géométries. Ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement dans les problèmes de corrosion ou dans les problèmes d'usure. Et le troisième point, c'est de se dire comment est-ce que je peux essayer de résoudre le problème. Donc, je vous ai parlé des traitements de surface. J'essaierai d'esquisser une vision sur le problème des systèmes auto-guérissants. Et d'une certaine manière, ça nous permettra d'avoir un premier coup d'œil sur le tout dernier cours de la série qui va être sur les matériaux bio-inspirés. Comment est-ce qu'on peut essayer, d'une certaine manière, de guérir le dommage en même temps qu'il est en train de se produire. Alors, les cas qu'on va traiter aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du fluage, en centrant l'idée sur comment on peut essayer raisonnablement de faire des essais accélérés en fluage. Après, j'essaierai de vous aborder la question de l'usure. Alors, la question de l'usure, je vais essayer de vous présenter des résultats et une approche qui est assez ancienne, mais qui, à mon avis, est encore extrêmement riche et qui n'a pas encore été suffisamment exploitée. Et dans le sens que je disais à un des tout premiers cours, c'est qu'on est dans un cas de figure où ces problèmes sont tellement importants qu'on a souvent tendance à confondre la qualification des matériaux et la compréhension d'un phénomène. Et je pense que, par exemple, typiquement pour les problèmes d'usure, on a véritablement intérêt à essayer de revenir à une compréhension des phénomènes avec des matériaux qui sont choisis pour comprendre. Le cas de la corrosion sera donc traité par Eric, et puis, enfin, certains aspects de la corrosion seront traités par Eric Andrieux et par le workshop de cet après-midi. On réentendra parler de tenue dans le temps, dans le cours qui porte sur les conditions extrêmes. Alors, dans le cours sur les conditions extrêmes, le séminaire portera sur le vieillissement des matériaux sous irradiation. Donc là, vous aurez encore un cas de figure où le temps est important. Alors, donc, contenu du cours, le fluage, l'usure et la problématique des solutions auto-guérissantes. Alors, le cas du fluage est assez intéressant. C'est une idée, c'est une approche qui s'est développée, disons, dans les 20 dernières années, qui s'est pas mal déclinée dans beaucoup de systèmes, avec beaucoup d'améliorations du principe, mais qui se base sur une compréhension physique des mécanismes de plasticité. Et l'idée, c'est de se dire, à partir de cette compréhension physique des mécanismes de plasticité, les cas de figure que je vais regarder sont des cas de figure où la plasticité des alliages est liée au mouvement des dislocations. À partir d'une compréhension physique de ces mécanismes, on va se poser une question toute simple, qui est qu'est-ce que je peux apprendre en faisant un essai de traction, c'est-à-dire quelque chose qui est court, en termes de durée de vie en fluage, c'est-à-dire quelque chose qui est long. Autrement dit, je veux faire une thèse et en déduire pendant combien de temps je peux faire fonctionner un échangeur thermique dans une centrale, par exemple. Alors, l'idée de base était d'abord une idée de se dire on est en train essentiellement de vouloir extrapoler dans le temps. Donc, pour pouvoir extrapoler dans le temps, il faut avoir une certaine fiabilité des mécanismes. C'est-à-dire, si on change de domaine de sollicitation, on peut changer les mécanismes de déformation, et en conséquence de quoi, être complètement en dehors des limites de l'épure quand on fait une extrapolation. Alors, cette idée avait été mise en place dans les années 70, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé les cartes de fluage d'Ashby, encore Ashby. Les cartes de fluage d'Ashby consistant à dire ce que sent un matériau, c'est effectivement une contrainte, mais ce qui est pertinent, c'est la contrainte rapportée à une rigidité des liaisons. Donc ça veut dire essentiellement normaliser la contrainte par un module d'élasticité. Et il le sent à une certaine température. Et ce qui est pertinent ici, c'est de se dire
quelle est l'importance des phénomènes thermiquement activés. Donc on va normaliser la température par rapport à la température de fusion du matériau, qui est aussi une mesure de la cohésion du système. Alors, quand on fait une carte de déformation, ça veut dire que sur ces cartes-là, qui sont en ordre de grandeur, en puissance de 10 sur l'ordonnée et en valeur normalisée sur l'abscisse, une échelle linéaire, eh bien vous avez certains mécanismes qui sont dominants dans certains domaines. Alors, l'idée est assez simple, c'est que si vous mettez une très basse contrainte avec une haute température, bien, la très basse contrainte n'est pas suffisante pour faire bouger les dislocations, par contre, elle est suffisante pour faire bouger les défauts ponctuels. C'est-à-dire l'essentiel de votre déformation plastique va être lié à une migration de défauts ponctuels. Et ça, c'est un type de loi qui est essentiellement linéaire en contrainte, qu'on appelle les lois de fluage par diffusion. Alors, suivant les températures où on se trouve, si on est très haut en température, les défauts ponctuels peuvent bouger dans le volume. Si on est plus bas en température, les défauts ponctuels bougent essentiellement au joint de grain. Vous allez avoir deux lois différentes en fonction de la sollicitation et de la taille de grain. Si vous augmentez progressivement la contrainte, vous continuez bien évidemment à avoir ces mouvements de défauts ponctuels, mais vous commencez à faire aussi bouger les dislocations. Alors, si vous montez très haut en contrainte, vous les faites glisser. Si vous êtes suffisamment bas en contrainte pour qu'elles ne puissent pas glisser, mais qu'elles puissent quand même bouger en cédant du mouvement des défauts ponctuels, vous allez avoir un autre type de fluage, qui est un fluage qui est le fluage par les dislocations, qui est un fluage qui suit une autre type de loi. C'est-à-dire là, typiquement, la puissance en fonction de la contrainte va être beaucoup plus élevée que dans le cas du fluage diffusion. Donc ça veut dire que si vous faites vos essais dans un régime accéléré en fluage dislocation, c'est-à-dire avec une loi en fonction de la contrainte qui est avec une puissance qui est élevée, eh bien si vous vous dites je fais le même et j'essaye à partir de là d'en déduire ce qui se passerait à plus basse contrainte, eh bien évidemment vous allez vous tromper. Alors, ça, c'est donc des régimes qui nous permettent d'avoir accès, des modèles qui nous permettent d'avoir accès à des états stationnaires, c'est-à-dire à la vitesse de fluage stationnaire, celle qui est constante dans le temps. Un essai de fluage, vous mettez une contrainte, vous avez une déformation qui en résulte, cette déformation dépend du temps. Au début, vous allez avoir un régime transitoire qui va tendre vers une vitesse constante, et puis après, vous terminez avec une vitesse accélérée. Alors, maintenant, dans les années 80, sous l'influence de Cox et de Making et de Estrin, après, on s'est posé la question de savoir, donc ça c'est pour de l'aluminium de haute pureté, on s'est posé la question de savoir quelle était la différence entre un essai de fluage et un essai de traction à vitesse de déformation imposée et le faire dans un régime dans lequel le fluage est contrôlé par le mouvement des dislocations. Alors là, l'idée était assez simple, c'est de dire une dislocation est un être assez intrinsèquement bête et elle ne sait pas si elle est en fluage ou si elle est en traction imposée. La seule chose qu'elle sent, c'est une contrainte. Donc si je fais un essai sur un matériau en imposant une vitesse de déformation en mesurant la contrainte, si je suis dans la même gamme de mécanismes pour ce qui est de l'essai de fluage, bien, je dois pouvoir prédire ce qui va se passer quand j'applique une contrainte et que je mesure une vitesse de déformation. Alors, vous avez ici des essais qui ont été faits à différentes températures, à différentes contraintes. Les essais de vitesse de déformation imposée sont des essais sur les symboles creux. Les essais de fluage sont les symboles pleins. Et l'idée qui était sortie de ce type de diagramme, c'était que essentiellement, ça s'aligne bien ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser dans ces gammes de température et de pression, comme diraient les Shadocks, qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on soit dans des régimes de déformation différents. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'était assez convaincant. Donc, maintenant, si on continue le parallèle, je vous dis, les dislocations sont des êtres bêtes. Ils ne sentent que les contraintes. Alors, un état stationnaire en fluage, c'est j'ai un état, une densité de dislocation essentiellement stationnaire, essentiellement stable, qui se déforme à des vitesses qui sont essentiellement stables. Maintenant, donc ça, c'est ce que vous avez sur la droite, la vitesse de déformation en fonction de la déformation. Après un régime transitoire qui est le fluage primaire, vous arrivez sur le fluage secondaire qui est un régime stationnaire. Puis après, vous allez commencer à endommager le matériau. Alors, le endommager a différentes significations, mais disons grosso modo, pour une contrainte donnée, la déformation s'accélère. Si vous regardez le fluage stationnaire, c'est un état. Le fluage minimal, c'est un état stationnaire de structure de dislocation. Maintenant, si on regarde l'état de le comportement
en contrainte, en vitesse de déformation imposée, c'est-à-dire la courbe de gauche. La deuxième idée était de dire, l'état de saturation dans ce type d'essai, c'est-à-dire l'état que vous allez avoir à très grande déformation, est l'équivalent en contrainte imposée, en vitesse de déformation imposée, de l'état stationnaire en fluage. Alors, l'idée était aussi assez simple. Ici, vous avez une densité de dislocation qui est essentiellement constante, parce que vous avez un équilibre entre celle que vous créez et celle que vous annihilez. De ce côté-là, vous avez une accumulation progressive de dislocation. Quand vous en avez de plus en plus, elle s'annihile de plus en plus facilement par paire de dislocation plus B moins B. Et donc, l'état stationnaire, qui est un équilibre dynamique en vitesse de déformation imposée, est aussi, devrait être l'équivalent de l'état stationnaire, qui est un équilibre dynamique en contrainte imposée. Alors, question donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un essai de traction pour prédire un essai de fluage? Est-ce que je peux éventuellement introduire des évolutions de microstructure? Là, ce que je vous ai montré, c'était simplement des cas de figure où on avait un métal pur. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut l'appliquer à des systèmes beaucoup plus compliqués. Puis le dernier point que j'esquisserai tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte le fait qu'une dislocation ne sent pas forcément la contrainte que je lui applique, elle sent une contrainte qui est éventuellement modifiée de contrainte d'incompatibilité. Donc comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Alors, je vais commencer par vous montrer ce qu'on appelle des modèles à variables internes. C'est des modèles qui sont très simples dans leur principe, et je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est assez exceptionnel, justement parce qu'ils sont simples et qui permettent d'expliquer pas mal de choses. On va voir ensuite des variations sur ces modèles, comment on peut inclure la microstructure. On va voir comment on peut inclure les contraintes d'incompatibilité. Je vais vous montrer comment on peut essayer de décrire par ce genre de méthode certains types d'ODS. Tous les types d'ODS ne s'y prêtent pas. Il y en a même qui sont précisément ceux qui ne s'y prêtent pas bien. C'est justement ceux qu'on a envie d'utiliser. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais... Et puis on arrivera aux conclusions pour cette partie-là. Alors, le modèle squelettal, le modèle le plus élémentaire en termes d'approche de la plasticité à variable interne, c'est que vous avez une variable qui est la densité de dislocation. Alors, même chose, vous pouvez raffiner ce genre de modèle, vous pouvez avoir les dislocations fixes, les dislocations mobiles, après vous pouvez vous amuser à les mettre dans les différents plans, vous pouvez sans problème compliquer la chose. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la version la plus simple. Le deuxième point, c'est que le mouvement des dislocations et leur contournement des obstacles est la contribution dominante à la déformation plastique, c'est-à-dire qu'on se met dans un cas de figure où la déformation par fluage diffusionnel, c'est-à-dire par défaut ponctuel tout seul, est quelque chose qui est dominé par la déformation, par le mouvement des dislocations. Les autres obstacles peuvent être soit d'autres dislocations, soit des obstacles fixes comme les joints de grain ou les précipités. Et l'idée, c'est que ces autres obstacles contrôlent le libre parcours moyen des dislocations et en conséquence de quoi, contrôlent aussi le terme de stockage des dislocations. C'est-à-dire, je vais avoir des termes d'annihilation qui vont être, ces dislocations peuvent s'annihiler par paire ou s'annihiler sur des surfaces libres. Et je vais avoir des termes de stockage qui sont essentiellement les obstacles qu'elles rencontrent où elles ne peuvent pas aller plus loin, où j'en laisse un morceau. Les procédés de restauration dynamique contrôlent les phénomènes d'annihilation qui empêchent d'avoir des densités de dislocation gigantesques. Alors, le modèle de base sur lequel vous pouvez faire des thèmes et variations à plaisir, c'est le modèle dit de Cox-Making-Estrin. Et il est aussi très simple dans son principe. C'est-à-dire que vous avez une relation entre la vitesse de déformation et la contrainte. Mais l'idée, c'est que vous devez considérer une contrainte non pas comme une grandeur en soi, mais comme une grandeur qui doit être rapportée à une résistance intrinsèque du matériau que vous êtes en train de solliciter. Alors cette résistance intrinsèque, au début, c'est la résistance du réseau cristallin. Et puis au fur et à mesure que vous déformez le matériau, vous accumulez des dislocations qui vont vous augmenter la résistance intrinsèque du matériau. Donc l'idée du modèle de Cox-Making-Estrin était très simple, c'est de dire je dois normaliser la contrainte que j'applique par rapport à une contrainte qui est une résistance du matériau, laquelle contrainte qui est une résistance du matériau est liée, dans le cas d'un métal pur, à la densité de dislocation présente dans le matériau. Donc c'est le sens de la première équation. Vous avez
la contrainte normalisée par la contrainte de référence, sigma chapeau, tout ça a une certaine puissance, puissance m, qui traduit la sensibilité à la vitesse de déformation du mécanisme, doit être égale à la vitesse de déformation normalisée par une vitesse de déformation de référence. Et toute l'idée, c'est que la contrainte de référence est quelque chose qui est simplement lié à la racine carrée de la densité de dislocation. Ça, vous êtes simplement en train de décrire qu'on est en train de franchir les obstacles qui sont là. Et que les obstacles sont essentiellement les dislocations. Vous sentez que vous pouvez très facilement en rajouter, c'est-à-dire mettre des précipités, des joints de grain, etc. L'équation d'évolution de cette densité de dislocation, vous allez l'écrire de la manière suivante. Vous avez un terme qui est un terme d'annihilation et un terme qui est un terme de stockage. Le terme de stockage fait apparaître naturellement le libre parcours moyen des dislocations et le terme d'annihilation est proportionnel à la densité de dislocation. Ce que vous êtes en train de décrire ici, puisque vous êtes en train de décrire une dévolution par rapport à la déformation, pas par rapport au temps, ça veut dire que si vous écriviez cette équation-là par rapport au temps, vous auriez ici un terme en rho carré, ce qui signifie que vous êtes en train d'écrire une annihilation par paire. Vous dites deux dislocations de signes opposés se tombent dessus. Et elles se tombent dessus, elles s'annihilent de manière en restauration dynamique, c'est-à-dire que ça va se produire avec une grandeur qui est proportionnelle à la vitesse à laquelle elles se déplacent. Donc, maintenant, nous reste la question de savoir quel est le libre parcours moyen ici. Eh bien, le libre parcours moyen des dislocations, quand je n'ai que des dislocations, c'est lié à cette quantité-là, c'est-à-dire la distance moyenne entre dislocations, 1 sur racine de rho. Si vous vous mettez à mettre des précipités, des joints de grain, eh bien, vous allez avoir un libre parcours moyen qui est modifié compte tenu de ces nouveaux obstacles. Alors, ce truc-là, ça a le bon goût de s'intégrer à vue, enfin à vue, bon, si, à vue, et en l'intégrant à vue, vous tombez au miracle, chose très intéressante, sur une loi de Vos. La loi de Vos, c'est une loi qui a été développée bien avant que ce genre d'approche ait été faite. C'est une loi classique des descriptions des mécaniciens, d'une contrainte, d'une plasticité avec saturation. Et là, ce que vous avez, c'est finalement une description de la loi de Vos. Alors, je ne sais pas pourquoi ça, les couleurs sont aussi vives là. Vous avez une description de la loi de Vos, qui est celle que vous avez en haut. Mais la différence par rapport à une loi purement phénoménologique, c'est que vous avez une interprétation directe des différents paramètres de la loi de Vos. C'est-à-dire la loi de Vos va être liée, la contrainte à saturation va être liée au taux de stockage et au taux d'annihilation. Et la loi θ2 que vous avez dans la loi en question, dans cette déformation à saturation, c'est essentiellement la manière dont vous allez stocker les déformations au départ, c'est-à-dire le stade 2 de déformation. Alors, si maintenant vous voulez, vous pouvez parfaitement intégrer l'équation de la même manière, non pas en imposant une vitesse de déformation constante, mais en imposant une contrainte constante. Donc vous obtenez simplement une loi de Vos, mais pour le fluage, au lieu de l'obtenir pour une vitesse de déformation imposée. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire des essais de traction. Ces essais de traction, vous pouvez les faire à différentes vitesses de déformation. Vous pouvez faire des sauts de vitesse de déformation. Vous pouvez faire des essais de traction à différentes températures. Et à partir de ces essais de traction, vous allez extraire les paramètres qui vous permettent d'ajuster votre loi de Vos de traction et vous allez utiliser ces paramètres pour prédire votre loi de Vos de fluage. Évidemment, ça vous donnera que la première partie du fluage est le fluage stationnaire et ça ne va pas vous donner le fluage tertiaire parce qu'il y a d'autres mécanismes qui apparaissent à cet endroit-là. Alors, si on veut faire maintenant des variations sur ces modèles-là, c'est-à-dire en incluant par exemple des microstructures, alors, ce qu'on peut faire, c'est introduire la taille de grain. Donc, la taille de grain qui va apparaître dans le libre parcours moyen. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué. Quand la taille de grain est grosso modo au-dessus d'une vingtaine de microns, ça peut très bien se traduire par un terme en 1 sur L sur le libre parcours moyen. Quand vous êtes avec des tailles qui sont plus petites, ça veut dire que vous allez sentir les dislocations qui sont à l'intérieur du grain sentent plus ce qui se passe en termes de dislocations qui s'accumulent au joint de grain. Et là, vous allez avoir d'autres termes qui apparaissent, qui vont être des termes de contraintes internes liées aux incompatibilités de grain à grain. Donc, en général, plus vous diminuez la taille de grain, plus vous allez être obligé de regarder de plus près comment la dislocation se stocke. Alors, si maintenant vous voulez inclure la précipitation, mais une manière naturelle d'inclure la précipitation, c'est de l'inclure comme un seuil supplémentaire dans la contrainte de référence, c'est-à-dire vous dites, ma dislocation, elle doit franchir la contrainte de précipitation plus la contrainte de plus les obstacles qui sont liés aux dislocations. Alors, suivant la force des obstacles, suivant leur densité respective, vous allez devoir faire soit une moyenne directe, soit une moyenne quadratique. Là, ça peut se raffiner aussi.
Et vous pouvez aussi avoir des précipités qui servent de stockage aux dislocations. C'est-à-dire que vous allez avoir des endroits où les dislocations peuvent se stocker autour des précipités. Alors là, ça peut être aussi assez subtil, c'est-à-dire que les dislocations stockées autour des précipités peuvent ou non rester à l'endroit où on les a stockées. Donc là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est toute une ramification de modèles qui va vous permettre de prendre en compte de plus en plus de phénomènes de la microstructure. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'avantage de ces approches-là. Le premier avantage, c'est que les essais de fluage durent beaucoup plus longtemps que les essais de traction. Donc quand on est d'un naturel pressé, on fait des essais de traction, on essaye de prédire des essais de fluage. L'évolution de la microstructure elle-même, et particulièrement de la précipitation, peut elle-même dépendre du temps, indépendamment de la vitesse de déformation. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement imaginer qu'en même temps que vous faites un essai de fluage, comme il va durer beaucoup plus longtemps, l'état de précipitation que vous avez à l'intérieur du matériau est elle-même, lui-même susceptible d'évoluer au cours de l'essai. Et puis évidemment, vous pouvez avoir des phénomènes qui sont des phénomènes de recristallisation quand vous partez d'un matériau déformé. Et vous avez, alors à ce moment-là, ça je vous en avais parlé la dernière fois, à aussi inclure les évolutions possibles de texture, les évolutions de densité de dislocation par des phénomènes qui deviennent des phénomènes qui sont indexés sur le temps et non sur la vitesse de déformation. Alors, une manière d'inclure ces variations, et on va juste le regarder pour la précipitation, et encore une fois, dans certains cas c'est bien adapté, dans d'autres cas ça l'est moins, c'est d'évaluer séparément l'évolution dans le temps des caractéristiques microstructurales. Alors, c'est quelque chose qui va pouvoir, par exemple, pouvoir se produire dans un cas de figure où j'ai un état de précipitation et où cet état de précipitation, au cours du temps, est en train de coalescer. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de créer une nouvelle phase, je suis juste en train d'avoir les mêmes précipités avec la même fraction volumique, mais où les précipités sont en train de grossir. Si les précipités sont en train de grossir, vous êtes en train de changer la distance entre les précipités, donc le libre parcours moyen des dislocations, et vous êtes aussi en train de changer la capacité de stockage des précipités, donc le taux d'écrouissage. L'idée, c'est que les évolutions des microstructures se font sur des temps qui sont beaucoup plus lents que les temps d'évolution des densités de dislocation. Donc quand vous êtes dans ces configurations-là, vous pouvez raisonnablement découpler les deux approches et donc avoir à la fois une équation d'évolution du paramètre microstructural qu'on va appeler précipitation et une équation d'évolution des densités de dislocation pour une valeur courante de ce paramètre microstructural. Alors là, vous sentez encore une fois que ça va bien marcher à condition que l'évolution microstructurale ne dépende pas trop de la contrainte qu'on aura appliquée. Donc, à la limite, plus vos précipités sont gros, plus ça a des chances de marcher. Plus les précipités sont petits, plus vous risquez d'avoir des ennuis. Vous pouvez, donc comme ça, au fur et à mesure, inclure la physique dont vous avez besoin pour pouvoir regarder comment faire évoluer la microstructure en même temps qu'on est en train de faire évoluer les densités de dislocation. Alors, voilà un exemple qui a été fait sur un alliage unissant des effets de vieillissement. Donc là, vous avez ici à une vitesse de déformation, ça avait été fait par Yuri Estrin, une vitesse de déformation en fonction de la déformation. Les essais ont été des essais faits à vitesse de déformation imposée pour identifier les valeurs des paramètres. À partir de cette identification de valeurs des paramètres, vous avez les petits points noirs qui sont la prédiction du comportement en fluage par rapport à ce qu'on a identifié dans la traction. Donc, vous voyez là, 100 paramètres ajustables. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cas de figure où l'hypothèse que le mécanisme reste essentiellement le même est raisonnable. Et après, ce que vous faites, le même essai sur un matériau qui était non vieilli. C'est-à-dire un matériau où vous allez avoir une situation où vous pouvez précipiter, puis coalescer l'état de précipitation. Et c'est ce que vous avez ici. Vous avez ici les points expérimentaux, donc ça, c'est les croix. Et vous avez la prédiction du comportement et des points expérimentaux en prenant en compte l'évolution de la microstructure. C'est-à-dire au début, vous n'avez pas de précipité, vous mettez une cinétique de précipitation, puis une cinétique de coalescence. Donc vous voyez typiquement ce qu'on peut faire dans certains cas où vous pouvez raisonnablement découpler l'évolution microstructurale et l'évolution des densités de dislocation. Ce n'est pas toujours le cas, mais je voulais vous montrer que dans certains cas, c'est possible. Alors, si on veut maintenant aborder des cas de matériaux anisotropes ou des cas de matériaux polycristallins avec des textures variables,
on se trouve dans une situation où il faut quand même, je dirais back to basics, revenir à ce que voient les dislocations. Vous croyez lui imposer une contrainte. En fait, elle ne voit pas la contrainte que vous lui imposez. Elle voit une contrainte qui est liée au fait que le grain dans lequel elle se trouve, il est entouré d'autres grains qui ne sont pas déformés pareil. Ou que le matériau dans lequel elle se promène contient des inclusions qui ne se sont pas déformées alors que le matériau se déformait. Donc vous allez avoir une contrainte qui est liée à la déformation, qui est une contrainte polarisée. Donc une manière de prendre ça en compte, c'est de dire votre dislocation, elle ne sent pas la contrainte qu'on applique, elle sent la contrainte qu'on applique moins une contrainte interne qui l'empêche de se déplacer. Et évidemment, c'est cette grandeur-là qu'il va falloir comparer à la contrainte de référence, qui est la contrainte d'obstacle du mouvement des dislocations dans le réseau. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut essayer de prendre ça en compte. Donc voilà le modèle 0, le modèle de Cox-Mackey-Gestrin. Le modèle 0,5, c'est de dire en fait ce que voit la dislocation, ça n'est pas la contrainte, c'est une contrainte moins une contrainte interne. Et l'obstacle qu'elle doit franchir pour pouvoir se déplacer, ce n'est pas simplement les autres dislocations, c'est les autres dislocations plus la friction de réseau. Donc ça, c'est une manière très simple de prendre en compte ces aspects-là. Et alors maintenant, ce que vous allez voir quand vous essayez de faire ça, ça c'est un travail qui a été fait sur les alliages de zirconium, ce que vous allez voir, c'est que la contrainte interne, ce n'est pas simplement une contrainte d'incompatibilité. Vous êtes en train de construire des incompatibilités, mais ces incompatibilités elles-mêmes, elles sont en train de se relaxer. Et elles se relaxent avec une cinétique qui n'est pas forcément la même cinétique qu'une cinétique liée à la vitesse de déformation qui est liée au mouvement des dislocations, essentiellement au mouvement des dislocations. Alors, ce que vous avez ici, c'est une formulation de cette relaxation des contraintes internes. Donc, vous les accumulez proportionnellement à la déformation que vous faites. Alors, si vous voulez aller dans le détail de ça, là, il faut faire de la vraie mécanique. Il faut faire de la mécanique des matériaux polycristallins. Et puis, vous les relaxez. Et vous pouvez vous dire, vous les relaxez proportionnellement à la quantité de contrainte qui est déjà là. Et vous allez la relaxer soit d'une manière indépendante de la vitesse de déformation, soit d'une manière qui dépend de la vitesse de déformation. Donc vous allez avoir par exemple une relaxation diffusionnelle ou une relaxation qui est une relaxation par le réarrangement des dislocations à l'intérieur des grains. Bien, donc voilà le genre de prédiction qu'on peut faire sur les vitesses de déformation en fonction de la déformation en fluage à partir d'essais faits en traction simple. Alors, je vais terminer cette partie-là en vous parlant de comment est-ce qu'on peut regarder des situations où on a une dispersion à l'intérieur du matériau et une dispersion de phases qui ne sont pas pénétrables par les dislocations, c'est-à-dire des obstacles qui sont aussi des sites de stockage. Alors, voilà deux alliages à dispersion d'oxyde qui ont été étudiés, ça c'est un travail qui avait été fait aussi dans l'équipe de Yuri Estrin, avec des procédés d'élaboration qui conduisaient soit à avoir une dispersion homogène, soit une dispersion hétérogène de ces précipités-là. Alors, vous avez ici ces essais de fluage en fonction de la contrainte, en fonction de la déformation, et vous voyez simplement, si vous regardez 151 MPa, vous voyez que suivant le type de matériau que vous avez ici, vous pouvez dégringoler de deux ordres de grandeur sur la vitesse de fluage. Alors, si vous avez ici, alors c'est exactement la même procédure que je vous avais dit tout à l'heure, vous faites des essais de traction avec des sauts de vitesse, des sauts de température, vous décrivez ça par un modèle de Voss modifié par le fait que vous êtes en train de stocker les dislocations sur vos précipités, et que vos précipités servent aussi d'obstacle. Et à partir de là, vous pouvez en déduire les vitesses de déformation. Alors maintenant, une chose, juste pour terminer la chose, pour terminer la description, comment prendre en compte le fait que les particules sont ou ne sont pas dispersées de manière homogène suivant le procédé d'élaboration? Une manière assez simple de faire ça, c'est d'utiliser des tessellations de Voronoi, et qui consiste à regarder, quelle est la fraction volumique locale de précipité? Quelle est la fraction volumique locale de particules? Et cette fois-ci, de faire une approche de déformation d'un matériau polyphasé en disant chaque grain ici, c'est un grain avec une fraction volumique locale d'inclusion. Bien, donc voilà le type de résultat qu'on obtient dans ces choses-là. Alors maintenant, pour terminer cette partie, je dirais qu'on commence, et je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut toujours faire des essais de traction
pour en déduire des essais de fluage. Mais j'ai juste voulu vous montrer comment, avec finalement très peu d'ingrédients, on peut avoir une description qui peut inclure progressivement de plus en plus de la physique du matériau en question. Alors, je vais maintenant vous donner un deuxième exemple, qui est un exemple de durée et qui est un exemple sur l'usure. Alors, je ne vais pas aller autant dans le détail pour ce qui concerne l'usure, je vais juste vous montrer quelles sont les grandes lignes d'une compréhension des problèmes d'usure dans les matériaux, en se posant encore une fois la question de quels sont les mécanismes locaux pour que les choses se passent. Et là, c'est un appel du pied, parce que je pense que ces approches-là mériteraient grandement de stimuler des approches expérimentales sur des matériaux plus simples que les matériaux qui sont habituellement utilisés vis-à-vis de leur résistance à l'usure. Alors, l'usure, c'est quoi ? C'est la plaie consistant à enlever de la matière par une friction entre deux solides. Alors, vous voyez tout de suite qu'on est déjà dans des situations qui sont assez pénibles, parce que vous avez deux matériaux au lieu d'un. Vous avez une géométrie, ça ne va pas être pareil de frotter une aiguille, de frotter un pion, de frotter un cylindre. Et en plus de ça, si vous payez le luxe d'avoir en plus un lubrifiant, là, vous avez tout gagné. Pour peu que le machin se passe dans une atmosphère un peu agressive chimiquement, vous êtes sûr de rien y comprendre. Alors, on peut quand même essayer de comprendre des choses et essayer de vous montrer justement comment est-ce qu'on peut aborder le problème pour essayer de comprendre quelque chose. Alors, il y a un certain nombre de procédés qui sont actifs dans l'usure, exactement de la même manière qu'il y avait un certain nombre de procédés qui étaient actifs dans le fluage. La différence, c'est que dans le fluage, on avait relativement peu de procédés actifs. Donc, de faire des cartes de fluage, ça pouvait se faire en bottom-up. C'est-à-dire, vous pouviez décrire des modèles qui étaient fiables, et puis après, à partir de ces modèles qui étaient fiables, essayer de construire des cartes de fluage. Quand vous êtes dans le cas de l'usure, c'est beaucoup plus pénible. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est rationaliser des cartes empiriques. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de mécanismes. Ça peut être une usure par adhésion, par abrasion. Vous pouvez avoir une usure par oxydation. Vous pouvez avoir une délamination. Vous pouvez même avoir de la fusion. Par exemple, ça va dépendre essentiellement de la vitesse à laquelle vous frottez, de la force avec laquelle vous appuyez, de la température à laquelle tout ça se passe. Alors, les paramètres expérimentaux que vous avez donc, c'est la charge, c'est l'air de contact, c'est la vitesse de frottement. Vous allez mesurer une perte de masse. Les paramètres matériaux les plus simples que vous puissiez imaginer, c'est la dureté. Là, on n'est pas dans une situation où on va aller chercher des trucs aussi sophistiqués qu'une limite d'élasticité, un taux d'écrouissage, etc. Donc, vous allez juste savoir est-ce que le matériau est dur ou pas. Vous allez avoir la diffusivité thermique. Là, vous sentez bien que ça va être important parce que vous êtes en train de créer de la chaleur en frottant et cette chaleur, elle va se dissiper dans le matériau. Et ce qui importe, ce n'est pas la température ambiante, c'est la température à l'endroit où ça frotte. Donc, la diffusivité va être importante. Et ça vous conduit à définir des paramètres sans dimension, une force qui est normalisée par une aire de contact et par une dureté. Et puis, vous allez avoir une vitesse qui est normalisée par une distance caractéristique qui est liée à une taille de contact et à une diffusivité. Alors, les données empiriques, vous les avez à gauche, ici. Donc, vous avez tout un tas de données empiriques qui avaient été rassemblées par Mike Ashby sur des aciers bas carbone. Et vous avez à droite quelque chose qui permet de rationaliser ces données empiriques, qui est une carte d'usure, avec les différents modes dominants d'usure. Et là, encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet de savoir ce qui va se passer dans le temps, eh bien, il ne faut pas sortir de la gamme dans laquelle vous avez fait la sollicitation. Alors, comment est-ce qu'on écrit ces cartes d'usure ? Comment est-ce qu'on les dérive, ces cartes d'usure ? Eh bien, j'ai simplement vous les montrer, vous donner les grandes lignes de cette dérivation. Une première chose, c'est de bien caractériser les températures des surfaces en train de frotter les unes par rapport aux autres et de bien distinguer la température globale de la température flash au niveau des aspérités. Vous allez regarder les différents types de mécanismes d'usure, soit parce que vous faites une soudure entre aspérités, soit parce que vous faites une fusion, soit parce que vous êtes en train de créer une couche d'oxydation, soit parce que vous êtes simplement en train d'arracher de la matière parce que localement, les aspérités atteignent la ductilité maximale du matériau et donc on arrache des petits bouts d'aspérité. Et ce qu'on va faire à partir de ça, c'est tracer ces cartes de mécanismes dominants. Alors, quelques hypothèses simples. La raison pour laquelle je vous donne ce cas, c'est qu'il a l'air absolument indécanulable quand on l'attaque au départ. Et finalement, on peut quand même bien rationaliser ce qui se passe avec quelques hypothèses simples qui donnent les limites de l'épure. Alors, la première hypothèse simple, c'est que la plupart du travail qui vient de la friction est transformé en chaleur. Ça, c'est la première chose. La deuxième
L'hypothèse, c'est que la chaleur, elle est générée au contact entre les deux matériaux et que cette chaleur diffuse dans le matériau. La troisième, c'est qu'il y a une différence entre la température moyenne et la température flash, c'est-à-dire la température entre deux aspérités qu'on est en train de cisailler les unes par rapport aux autres. Et puis, on va essayer de calculer ces différentes grandeurs. Alors, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est une idée qui est très simple, c'est quand vous mettez deux matériaux métalliques en contact, vous allez avoir des aspérités qui se touchent. Alors évidemment, au début, elles se touchent par des pointes. Donc là, on a des contraintes qui vont être énormes. Évidemment, elles s'écrabouillent. Et on va se retrouver avec des contacts, avec des contacts qui sont plus grands. Quand vous avez des contacts qui sont plus grands, la contrainte devient localement plus petite, jusqu'au moment où le contact atteint une taille telle que la contrainte locale soit essentiellement égale à la limite d'élasticité du matériau. Alors, vous sentez bien que c'est à la louche, ce truc-là. Mais ça, cette image qui est très simple, et l'image qu'avait proposée Bowden et Tabor dans les années 50, pour expliquer un phénomène qui avait été remarqué par Léonard Vinci quelques siècles auparavant, qui était que quand vous posez un métal sur un métal, la force qu'il faut pour le déplacer ne dépend pas de la surface en contact, ce qui n'est pas du tout intuitif. Ça ne marche pas pour le caoutchouc, par exemple. Et ça, c'est essentiellement lié au fait que les surfaces de contact apparentes que vous allez avoir, eh bien, c'est aussi les mêmes surfaces qu'il va falloir couper en cisaillement. Alors, cette idée-là a été mise en évidence par Bowden et Tabor donc dans les années 50, et cette idée-là avait été déjà testée par Maxwell, qui ne considérait pas comme déshonorant, après avoir écrit les équations de Maxwell, de regarder quelles étaient les forces de frottement, et qui avait simplement mesuré la conductivité électrique de deux solides métalliques en contact. Alors, donc l'idée qu'on va avoir, c'est simplement celle-ci, c'est-à-dire on va mettre une géométrie d'un pion sur un disque, et puis on va essayer de calculer quelle est la température qu'il va y avoir à cet endroit-là. Alors, les ingrédients, c'est, j'ai un coefficient de frottement, une force, une vitesse, ça va me donner une puissance dissipée. Cette puissance dissipée divisée par l'herbe nominale de contact va me donner un flux d'entrée en température. Ce flux d'entrée, simplement une partie de ce flux est en train d'aller dans le contact, l'autre flux va dans le disque, et cette fraction respective de l'une et de l'autre, là, on est obligé de se taper un calcul d'éléments finis pour essayer d'avoir une idée de cette partition. La longueur caractéristique sur laquelle ça va diffuser, c'est aussi quelque chose, un calcul d'éléments finis qui va nous le donner. Mais maintenant, vous pouvez faire un simple calcul de flux de diffusion et vous dites simplement que ça va être la différence de température entre la température de contact et la température nominale, divisée par cette longueur caractéristique, multipliée par un coefficient de diffusivité thermique. Donc, à partir de là, vous pouvez en déduire quelle va être la température du contact en fonction de la température du matériau, et puis tout un tas de choses qui dépendent entre autres de la force normalisée et de la vitesse normalisée. Alors, une fois que vous avez ça, l'étape suivante, c'est de regarder comment on va passer d'un contact pion sur disque à un contact aspérité sur aspérité. Donc là, vous êtes obligé d'avoir un modèle de plus en input qui va être le nombre de contacts, sachant que ce que vous donne directement la mécanique, c'est la surface totale des contacts, mais vous pourriez avoir beaucoup de petits ou quelques gros. Et donc, vous êtes obligé de rentrer ça comme grandeur supplémentaire. Et ça, ça vous permet d'avoir une température flash. Alors, à partir de là, le type d'équation que vous avez pour résoudre ce modèle, là, je ne vais pas y aller dans le détail. Bon, vous avez essentiellement la physique que je viens de vous décrire là. Puis là, il n'y a plus qu'à dérouler l'algèbre et puis vous pouvez comme ça en déduire des courbes de température flash, c'est-à-dire la chose qui est importante, la température au niveau de l'aspérité, en fonction de la vitesse normalisée et en fonction de la pression normalisée. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas encore calculé le taux d'usure. Ça veut dire qu'il faut coupler ça avec un mécanisme qui conduit à de l'usure. Donc, mécanisme qui conduit à de l'usure, ça peut être, je suis en train de créer un petit bout d'oxyde, lequel bout d'oxyde est en train de partir. Et là, j'ai besoin de savoir quelle est la vitesse à laquelle la couche d'oxyde va s'épaissir. Le mécanisme qui conduit à l'usure, ça peut être aussi, je fonds localement le matériau, et en fondant localement le matériau, cette fusion fait que je vais perdre de la matière. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est équilibrer la chaleur latente de fusion qui correspond à la fusion du matériau avec le flux de chaleur que vous créez. Donc voilà un peu les différents mécanismes que vous allez pouvoir avoir. Et à partir de ces différents mécanismes, vous allez pouvoir maintenant avoir une carte de dominance, non seulement une carte de dominance d'usure, mais vous allez aussi avoir une carte de dominance d'usure avec des lignes équies vitesse d'usure. Bien. Voilà.
Alors maintenant, je vais terminer, parce que je vois que le temps passe, je vais terminer avec le dernier point que je voulais aborder dans ce cours, qui est un point qui, lui, est en plein développement. L'autre, c'est des sujets qui, malheureusement, à mon avis, sont redevenus un peu dormants. Non pas dormants au point de vue pratique, parce qu'on fait des tas d'études extrêmement intéressantes, sophistiquées, très riches et de très grande qualité sur des matériaux industriels, mais on le fait de moins en moins sur des matériaux qui seraient des matériaux modèles. Et je pense que c'est un problème qui est récurrent dans les problèmes de durabilité, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps, d'étudier le temps, si j'ose dire, prendre le temps de regarder des matériaux modèles pour comprendre les mécanismes d'oxydation, de corrosion, d'usure, de fluage, et d'avoir une approche qui est une approche de revenir au niveau des mécanismes. Alors maintenant, là, c'est un autre cas d'extrême. C'est un autre cas extrême. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer, qui est le domaine des matériaux auto-guérissants. Alors, je vais vous donner un cas de matériaux auto-guérissants qui est particulièrement spectaculaire. C'est le cas de l'os. Alors, l'os, vous savez, il y a l'os externe qui est l'os cortical. Si vous prenez une vertèbre, ça, c'est une vertèbre. À gauche, vous avez une vertèbre de quelqu'un de 27 ans. Et à droite, une vertèbre d'un homme de 97 ans. J'ai choisi un homme de 97 ans parce qu'on a toujours tendance à penser que l'ostéoporose est une maladie féminine, alors que c'est aussi une maladie masculine. Simplement, les hommes l'ont plus tard. Mais enfin, ils finissent toujours par se tasser et par casser. Donc, un os, vous avez une partie externe qui est l'os cortical, qui est dense. Et vous avez une partie interne qui est l'os trabéculaire, qui est une mousse. Je vous ai dit que les mousses étaient des matériaux très intéressants. Là, vous en avez un bien. Alors, vous sentez évidemment qu'à droite, ça ne va pas se passer très bien. Là, il n'y a presque plus rien, donc ça veut dire que ça va se cruncher. Et c'est ce qui se passe quand les jambes se voûtent, c'est qu'on est en train de tasser les vertèbres. C'est ce qui conduit à des ruptures de col du fémur et autres choses désagréables. Alors, pourquoi ça ne marche pas à droite alors que ça marche bien à gauche? Une chose qui est intéressante, c'est que vous voyez déjà, il y a des directions caractéristiques dans le phénomène. Alors, ce qui est très amusant, c'est quand vous sortez un bébé, le bébé, il vient de barboter pendant 9 mois dans le liquide placentaire, il ne connaît pas la gravité. Et en fait, l'os du bébé est parfaitement isotrope. Il n'y a pas de direction particulière. Et c'est dans les premières semaines de la vie du bébé, où il commence à sentir que la gravité, ça existe, que les structures osseuses sont en train de se mettre en place. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, l'os dépose de la matière pile poil à l'endroit où il en faut. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez avoir, c'est que la matière blanche, là, qui est essentiellement une matière minérale, c'est un mélange d'une matière minérale et d'une matière organique. Cette matière blanche est une matière qui se dépose dans les directions de contrainte maximale. Alors, ça ne se voit pas comme ça. Ça se voit très bien quand on regarde un os de fémur. Dans l'os de fémur, on voit très bien les lignes de force et les lignes de densité maximale de manière minérale. Et elles sont parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on a appelé l'os une cathédrale organique. Alors, comment ça se passe quand vous avez à l'intérieur d'un os trois types de cellules. Vous avez les vous avez les ostéoblastes qui déposent de la matière minérale, vous avez les ostéoclastes qui bouffent de la matière minérale et vous avez les ostéocytes qui disent aux autres où est-ce qu'ils doivent travailler. Alors, l'idée, c'est très astucieux parce que c'est une grande économie de matière finalement. La matière minérale, ça coûte très cher pour les êtres vivants. Donc, cette économie de matière va consister à prendre de la matière minérale à l'endroit où on n'en a pas besoin, pour aller la mettre pile poil à l'endroit où on en a besoin. Donc le système est d'une certaine manière capable d'auto-réparation. C'est-à-dire, si à un endroit, les choses ne se sont pas bien passées, ben on ramène de la matière à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment, quand on vieillit, c'est-à-dire qu'on passe de l'image de gauche à l'image de droite? Eh bien, vos ostéoclastes, ils marchent toujours aussi bien, c'est-à-dire vous continuez à enlever de la matière, mais les ostéoblastes, ils ne marchent plus bien du tout, et les ostéocytes, ils sont à la masse, donc finalement, le système part complètement en vrille et vous n'arrivez plus à refabriquer l'os où on en a besoin. Et c'est comme ça que ça se vide à l'intérieur dedans et que vous tassez. Bien, alors évidemment, ça ne marche pas aussi bien. Voilà. Ça ne marche pas aussi. Ça, c'est un peu idéal quand même. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est évidemment fabriquer l'équivalent des os, c'est-à-dire avoir une structure qui est capable de ramener de la matière à l'endroit où on en a besoin. Alors, ça, c'est toute une démarche qui s'appelle les matériaux auto-guérissants. C'est quelque chose qui commence à se développer depuis 4 ou 5 ans. Les matériaux auto-guérissants, il y a un certain nombre d'exemples de ça. Vous pouvez avoir des élastomères qui renforcent des polymères. Vous avez évidemment, un cas classique, c'est les céramiques qui sont renforcées
par des céramiques qui ont une transformation de phase. Donc, d'une certaine manière, vous êtes en train de refermer une fissure au moment où elle se propage. Vous avez une astuce qui est très, très jolie, c'est d'avoir des polymères qui contiennent des capsules qui contiennent un agent repolymérisant. C'est-à-dire, quand vous avez une fissure qui se propage dans ce polymère, ça casse les capsules qui relâchent un agent polymérisant, qui repolymérise le truc et qui referme les fissures derrière la fissure qui vient de se propager. C'est très très chouque, à part que ça marche très bien dans des matériaux qui sont déjà désastreux, donc évidemment on les améliore. Mais enfin, le principe est assez joli, vous êtes en train de réparer un matériau au fur et à mesure qu'il s'endommage. Là, vous sentez qu'on est quand même moins bien que l'os parce que c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire, une fois que vous avez cassé la capsule et qu'elle a relâché son agent polymérisant, s'il y a une deuxième fissure qui passe, eh bien ça ne marche plus. Alors, vous avez d'autres cas de figure qui sont des revêtements autoprotecteurs à haute température, par exemple. Donc voilà un exemple ici, qui est l'exemple des capsules repolymérisantes. C'est un papier qui est emblématique dans le domaine, Nature Materials en 2007, qui consistait donc à avoir ces petites capsules dans un PMMA, et puis d'une certaine manière, on recolle la fissure au fur et à mesure que ça s'est propagé. Alors, ce que je vais simplement vous montrer, c'est quels sont les ingrédients classiques qu'on a dans les matériaux auto-guérissants. Si on regarde les matériaux auto-guérissants, un matériau auto-guérissant idéal... Il faut nécessairement qu'il y ait des choses qui bougent pour qu'un matériau se guérisse. C'est-à-dire, il faut que les choses se bougent, et en plus, il faut qu'elles se bougent en même temps que le dommage est en train de se passer. Et on va essayer de creuser un peu ça, parce que vous sentez tout de suite que pour qu'on ait des chances d'avoir des matériaux auto-guérissants, il faut qu'on ait une adéquation entre les échelles de temps du dommage et les échelles de temps du guérissement. Et ça, d'une certaine manière, ça va vous donner une grille de lecture de ce qui va être raisonnablement une liste de vœux de ce qui relève purement de la lettre au Père Noël. Alors, si on regarde il faut évidemment aussi qu'on soit capable de sentir le dommage pour pouvoir le réparer. Alors, ce que je veux simplement vous montrer, c'est deux grandes familles de matériaux guérissants, auto-guérissants. Ceux qui sont idéaux, c'est ceux tels que le matériau réparé est aussi bien que le matériau initial, 100% de réparation, où on pourrait le réparer un nombre infini de fois, où la réparation est autonome, c'est-à-dire on n'est pas obligé de taper sur l'épaule du matériau en disant « Hey, ça serait bien que vous vous répariez ». Alors idéalement, le matériau réparé a des propriétés meilleures que le matériau qu'il remplace et il n'est pas cher. Ça, c'est ce que j'appelle la lettre au Père Noël. Sur l'autre colonne, vous avez la réalité des choses, c'est que généralement, on ne répare pas complètement le dommage, on évite les dégâts majeurs, c'est-à-dire on évite que ça casse d'un seul coup. On va essayer, généralement ça ne marche qu'une seule fois, c'est-à-dire il se répare une fois et puis on ne le refait pas. Très souvent, il faut qu'il y ait une simulation externe et qui conduit justement à du dommage. Les propriétés du matériau réparé sont moins bonnes et en général, il est plus cher. Donc, vous voyez, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour être un petit peu déprimé. Bon, il n'empêche que c'est une piste qui me semble très intéressante à explorer, à condition d'avoir une grille de lecture qui nous permette de dire, est-ce qu'on a des chances que ça marche? Alors, je vais vous montrer un type de grille de lecture qu'on peut envisager. C'est de regarder... Vous allez regarder les différents types de dommages que vous pouvez faire et les différents types de guérissements que vous pouvez imaginer. Alors, par exemple, vous pouvez imaginer que si la fonction est de transmettre une charge, eh bien, la dégradation des propriétés, ça peut être, par exemple, une dissolution des précipités, ça peut être une coalescence. Si vous regardez la protection contre l'oxydation et la corrosion, c'est la perméabilité au fluide qui va être importante. Si vous regardez la protection à l'usure, ça va être la dureté locale et la résistance à l'usure de surface qui va être importante. La protection thermique, ça va être la diffusivité thermique. Et si vous regardez le type d'ennui que vous pouvez arriver, eh bien c'est par exemple de faire apparaître des cavités, de faire apparaître des fissures, de détruire le revêtement. Et maintenant, ce qu'on va essayer de regarder, c'est quel est le type de guérissement qu'on peut imaginer. Si vous avez une dissolution des précipités, vous pouvez imaginer que le type de guérissement, c'est de reprécipiter. Si vous avez une rupture interfaciale, ça peut être de reformer la surface.
Vous pouvez avoir les refermements de fissures. Ça, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure pour ce qui est de la propagation de la fissure dans le PMMA. Vous pouvez avoir des choses qui sont aussi simples que de dire une fissure qui est embêtante, c'est une fissure qui est aiguë. Si vous trouvez une manière astucieuse d'arrondir les fonds de la fissure, ça peut être une manière aussi d'éviter la dégradation. Alors, toutes ces choses-là, évidemment, la variété est triple, c'est la variété des matériaux, la variété des endommagements et la variété des modes de guérissement. Et ce que je veux simplement vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une grille de lecture simple de tout ça. Une grille de lecture simple de tout ça, c'est de dire, bien, j'ai un paramètre que je vais appeler dommage. Ce paramètre de dommage est lié à la contrainte que va subir le matériau. Cette contrainte est évidemment amplifiée par le fait que le matériau est déjà endommagé. Donc là, vous avez la première partie, c'est l'approche classique de mécanique de l'endommagement, les équations de Ketchanov et des trucs comme ça. Puis la deuxième partie, c'est de dire, ce dommage, il est en train de se guérir. Il est en train de se guérir avec un temps caractéristique qui dépend du mécanisme, parce qu'il est en train de se guérir par un mécanisme de diffusion, par un mécanisme de précipitation, par un mécanisme d'éboussement. Donc vous sentez que suivant les mécanismes, ce temps caractéristique va être différent. Alors ce que j'essaye de faire, ce n'est pas d'avoir une description exacte de la cinétique du dommage, j'ai juste essayé de dégager quels sont les paramètres qui vont nous permettre de dire on a des chances ou non d'avoir un phénomène d'auto-guérissement. Alors, ça c'est assez facile, vous avez une accumulation du dommage qui évidemment accélère jusqu'au moment où le dommage vaut 1, et puis un guérissement du dommage. Alors, quand vous faites ça, évidemment vous avez quelque chose qui apparaît très naturellement, qui est le taux de dommage que je peux créer dans le matériau pendant le temps caractéristique pendant lequel je guéris. Donc quand vous avez ça, vous sentez bien que si ce truc-là est très élevé, vous allez avoir du mal à avoir un mécanisme de guérissement, et si ce truc-là est faible, vous allez pouvoir avoir un mécanisme d'auto-guérissement. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous avez vu l'essentiel, c'est-à-dire que quand je prends ce paramètre-là, j'ai trois types de comportements. J'ai un type de comportement où si je mets le taux de dommage en fonction du dommage, eh bien, quand je suis avec un paramètre K qui est très grand, c'est-à-dire j'ai beaucoup de dommages, pas beaucoup de guérissement, le dommage s'accumule. Puis là, ça, on sait comment ça va finir. Et dans l'autre cas de figure, vous avez deux situations. Vous avez une situation suivant la manière dont le taux de dommage en question est lié à l'exposant de sensibilité à la contrainte du dommage. Eh bien, vous allez avoir soit une situation là qui est très sympathique, ce que vous avez à droite, c'est un taux de dommage qui est en train de décroître en fonction du dommage. Et il passe par un point où il est nul. Donc là, quand vous regardez ça, vous avez un point stationnaire. C'est-à-dire, typiquement, si vous partez avec cet état d'endommagement et que c'est en train de s'accumuler, pouf, ça reste bloqué ici. Donc là, vous avez un système qui va s'endommager jusqu'à un point où ça se calme. Et ici, vous allez avoir un système qui va s'endommager de moins en moins vite, puis repartir. Donc vous avez ici un ralentissement du dommage, et là, vous avez véritablement un mécanisme d'auto-guérissement. Et ce que je suis simplement en train de vous montrer ici, c'est une grille de lecture qui est très simple avec des paramètres qui sont la sensibilité à la contrainte du taux d'endommagement et puis un paramètre qui prend en compte à la fois le taux d'endommagement et le temps caractéristique de guérissement. Et vous avez ici des règles simples qui vont vous dire est-ce que j'ai ou non des chances de pouvoir avoir un mécanisme auto-guérissant qui sera efficace. Donc, revenons un peu au détail, vous avez ici le taux de dommage. Bien, si vous partez d'ici, vous avez un point attracteur là. Si vous partez d'ici, vous avez un point attracteur qui est 1, c'est-à-dire là, c'est vraiment trop mal parti. Ce que ça vous dit, c'est essentiellement, vous avez une zone de dommage critique où vous allez toujours avoir du dommage à l'état contrôlé et une quantité de dommage telle que si vous en avez plus que ça, quel que soit votre mécanisme d'auto-guérissement, c'est fini, vous n'y arriverez pas. Bien. Bon, là, je vous passe l'algèbre du truc et j'en arrive à mes conclusions à l'heure. Ce que j'ai essayé de vous montrer sur deux cas, qui étaient le cas du fluage et le cas de l'usure, c'est un peu les règles pour savoir est-ce que je peux extrapoler et pas simplement me contenter d'interpoler. Et les règles qui sont apparues, c'est d'une part d'identifier des domaines de dominance des mécanismes et de rester dans ces domaines de dominance. Et la deuxième chose, c'est dans ces domaines de dominance, de partir des mécanismes microscopiques. Alors, microscopique ne veut pas forcément dire la même chose. Dans le cas du fluage que je vous ai décrit, le microscopique, c'est l'interaction dislocation microstructure. Dans le cas de l'usure, le microscopique, c'est la dynamique et la thermique
des aspérités en contact, mais il faut passer par là pour pouvoir avoir des modèles, des mécanismes physiques, des modèles dont on peut espérer pouvoir les extrapoler tout en restant dans la gamme où le mécanisme dominant demeure le même. Pour ce qui est des matériaux auto-guérissants, qui est la réponse du berger à la bergère, qui est une manière de réagir vis-à-vis du problème de durée dans le temps, c'est-à-dire le matériau sans dommage, mais j'essaye de mettre en place un matériau, un mécanisme qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui le guérit, et bien là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une lecture a priori des différentes approches pour savoir si ça vaut le coup ou non d'aller dans cette direction-là. Et je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Éric Andrieux pour nous parler de corrosion. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, pour ce qui est de cet après-midi, c'est-à-dire du workshop, il est tout aussi ouvert que le matin. Donc le matin, il y a le cours et le séminaire. L'après-midi, le workshop a lieu dans la salle 4, à l'étage au-dessus. Bien,